Il tire parce qu'il pense que ce sont des petits bâtons. Maintenant, je vais vous montrer vite quelque chose. Je vais remplacer mon doigt par une friandise. Là, évidemment, ça va être autre chose. Ça sont des espèces de petites friandises, hein, comme on peut donner aux chiens, aux chats. Mais ça marche aussi pour les poissons. Regardez. Allez, on en reprend une parce qu'ils n'en ont pas encore eu assez là. Ah ben voilà nounours justement. Mais l'avantage c'est que vous tenez ceci en bouche, en main, et eux peuvent venir le prendre et vous le tenez un petit peu et ils vont venir sucer cette friandise, puis vous leur donnez bien sûr. Voilà, c'est une manière de pouvoir facilement apprivoiser vos poissons. Et alors regardez ici nounours, c'est un poisson qu'on a ici depuis 20 ans. Je peux le lancer comme un espèce de dauphin et il revient pour recommencer. Ça fait maintenant 30 ans qu'il est là. Oui, il n'est pas stressé du tout et il revient. Allez, viens loulou. Voilà, voilà. Et il revient me dire bonjour. Notre mascotte qui est ici depuis presque 30 ans chez Aquiflore.